Alors nous voilà arrivés en Sardaigne, n'est-ce pas? Les paillons. Je crois qu'il y a du vent, hein. Bah, je ne dis pas ceux qui habitent là, ils ont pas trop aux yeux. Hein. Ça souffle. Hein. Ah, là c'est le pied là. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais c'est bien sculpté. Ah, je sais pas si on va pouvoir aller se briller là. C'est pas évident. Là. Un chien et un ours qui s'embrassent. Alors voilà la petite maison que Annie elle a achetée hier là, pour revenir ici en Sardaigne quand on sera mieux. Voilà, les femmes sur le gazon et les hommes au bistrot. Oh Michel! Michel! Voilà! Sur la vallée de la Lune. Plutôt qu'on attendait ça, Annie voulait aller sur la Lune. Bah dis donc. Allez, on est toujours sur la Lune. Puis là-bas, il y a les deux lunaires, là, je sais pas ce qu'ils foutent là-haut. Oh la Lune! Annie! Roger! Ah, Milou est resté dans la voiture. Tu crois? Alors on est où ici, Roger? Tempio. Tempio. Ozzal. Ozzal. C'est là qu'on a bu un coup. Alors là, on rentre dans le domaine de... Je sais plus comment... Dalmas. Voilà. Là, ça va grimper. Hein. J'ai pas eu idée le dolmen, mais... Ça va. Ah, j'ai vu un dolmen là-bas. Ah non, c'est Roger. Merde. Alors voilà, Obélix, la maison principale de Roger. Une belle visibilité. Ah, il y a un sacré mur là. Annie! Ben je vois plus Milou! Ah! Oh dis donc, qu'est-ce qui pleut? Alors celui-là il a 5000 ans mais il n'est pas en bonne santé hein!
Alors celui-là, il a 500 ans, mais il est pas trop en bonne santé non plus. Hein. Il est un peu pourri même. Hein. Ah, il repleut. Ah, il est quand même maoui celui-là. Hein. Voilà, ouais. Allez. Terminé pour Gaïour. Alors là, c'est le désert de Gobi et du vent à gogo là. Tiens, une dame qui est bien coiffée dans le vent là. À gauche, il y a un éléphant. Voilà, c'est une tête de chameau. Et là, c'est un éléphant, on ne voit pas la trompe. Derrière, et puis là on voit la couille de l'éléphant. Oh putain, ça souffle, hein, je te dis pas dire. Oh là 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 là. Oh, il hein? Oh, y a un beau masque là, tiens. Hein, il est beau. Et puis... Oh là là, c'est bon. Je sais. Ah, c'est quoi comme village là? Ça, je sais rien. Alors, nous voilà arrivés à. Bah, je sais pas, Alghero, je crois. Il me semble que c'est ça, Alghero. On va prendre le petit train et on va faire le tour du fort. Je sais pas ce qu'il y a à voir, mais enfin, on verra bien. Alors là, on va prendre le petit train, on va faire tout le tour de la, du fort, la grosse forteresse. Il y en a déjà 4 là. Ah tiens, il y en a encore 4 qui arrivent là, dedans. Et Jeannot à la traîne comme d'habitude. Il est par les Catalans au 16e siècle. Ah, il y a des coquilles. Notre voyage de... Oh là là là, oh putain, ça se coule. Hein. Oh là là, aïe aïe aïe. Bah, c'est même pas la peine de prendre des films. Hein. Oh, aïe 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 aïe. Construite en 1880 sur les ordres d'Alexandre III, contre les Saint-Élias. Pause. Île royale, au même titre qu'un ville. 144 et terminée en. Oh putain. Ah, c'est étroit là, hein. Oula. Traversant du nord au sud, croisé de plusieurs routes typiques. On va pas rentrer là-dedans. Hein. Oh, il y a... C'est pire que le tramway à Lisbonne. Ah bon. Nous vous remercions de votre présence. Mais il n'y a pas de quoi. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre ville. Au revoir. Oh, il y a des entrées de partout là. Oh là là. Tiens, une deuxième entrée. Direction des restaurants. Bon, et les femmes là. Oh, oh. Vous allez où là? Dans la vieille ville. Bon. Ah, il est magnifique ce bâtiment-là. Alors, je crois qu'on va se faire toutes ces rues-là parce qu'il y a des boutiques là. Là, c'est les cartes postales. Ah, là, il y a encore une sacrée petite rue là. Là, c'est un blocos, enfin un truc comme ça. Ah bah tiens. Ah Roger, il s'est planqué là. C'est lui mieux, tiens, ici. Ah, là, c'est bien sombre. Hein. Ah, il a raison, Roger, hein, c'est la cathédrale. Bah non, toute moderne. Oui, nous sommes là.
On dirait Batman. Ah, c'est bientôt Pâques. Il y a une sacrée aussi, il n'y a pas un chat là. Pas un chat. Ah, une belle petite place là. Avec encore une église, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah, on se croit au Portugal là. Les trucs aux fenêtres là. Oui. Ah, enfin, je te vois. Ça, c'est un fortin. Alors là, t'as une maison toute neuve. T'as le campanile de la cathédrale. Et là, le bruit que vous entendez, c'est une machine à coudre. C'est pas un tracteur. Une gélatine ? Ah, bah, si, si tu veux. Ah ouais ? Allez, viens. Allez, tu veux une gélatine ? Allez, la gélatine. Attends, on va aller voir quand même. Elle va nous dire, c'est fini, hein, je ne sais plus à manger. Ouais, elle est fermée, elle aussi. Ah oui, elle est fermée. Hein. Oui, elle a installé ses lessives, là. Hein. Ouais. C'est une étoile frappée, hein. Ouais. Combien, là, tu peux tromper ? Là, du théâtre. Oh, non, non. Alors, voici presque la fin de la visite d'Alghero. Là, à mon avis, il y a des sous. Hein. Oh putain. C'est la crise, la deuxième crise. Oh là 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 là. Ça s'appelle comment ici ? Et voilà, Alghero, le vieux. Castel Sardo. Ben voilà, c'est magnifique. Et là, on part pour le Maroc. Allez, encore une petite prise de vue. Après, on prendra le château d'en bas. Et ce sera bâclé pour la journée. Allez, là, vous aviez le côté pile tout à l'heure. Maintenant, c'est le côté face du château, mais tout en bas. Voilà, voilà. Et voilà, et voilà. Là, on était là-bas, on a fait le pèlerinage. Palo, voilà. Palo, c'est plutôt sombre. Ah, là, on voit mieux déjà. Ah, là, je peux te dire, le château, là, on a failli se le faire. Mais. Tranquille. Alors là, c'est le port de Plaisance. De Palo, l'église San Giovanni de Lago. Ah, ça va où ça? Non, pas trop. Hein? C'est quoi là? Ouais, même le rétable il est bien. Alors là, c'est les goupillons, c'est un arbre là. Alors, l'homme qui a vu l'ours. Oui, il a la boutonnée, l'ours. Attention, encore un coup de la palo, la baie de la palo. Et voilà, une huître géante. Alors là, t'as Chopard, là tu as Zili, voilà, le village des milliardaires, Porto, je sais pas quoi, là, Chico, et là tu baignes dans le luxe. Regarde-moi ça, ces bateaux là, c'est un petit rafio ça. C'est un bar, t'as le même luxe, c'est quand même... Alors là, t'as une petite payotte là, deux, trois rafios de rigolo. Ouais, le gros bateau là-bas. Alors ça, c'est le petit restaurant, on va manger des... Ouais, le petit restaurant, on va manger des langoustes ce soir. Voilà, place des Lys. Tiens, j'ai vu un milliardaire là-bas.
Oui, il a l'air riche, celui-là. Hein. Oh là, je ne te dis pas. Je ne sais pas ce qu'il fabrique, là. Non, pas celui qui est devant, celui qui est derrière, là. Voilà. Tiens, ici. Tiens, il y a la femme du milliardaire qui arrive, là. Ah oui. Elle prend ce bateau-là. Elle est plus gros, bien sûr. Ah ben, il y a la sœur du milliardaire qui est derrière, là. Ah oui. Elle va acheter une petite veste pour Alain. Voilà. Alors là, c'est la casbah du cerveau. Là, c'est la marina qu'on a vue en bas tout à l'heure. Attends, oui. Là, il y a un bruit, je ne sais pas si c'est une Porsche ou un bateau rapide. Ah, il y a deux petits bateaux qui sont pas mal. Là, soir, on couche à l'hôtel, là, je crois. C'est ça. Et ça, c'est l'église de la casbah. Ah, oui. Ah, vous n'êtes pas à la casbah, là, vous êtes dans l'église. C'est pas une casbah. Hein. Ah, là, on arrive au bateau, là. Oh, il y a du bateau. Oh là là. De jolies colonies de vacances. En avant, on marche. Tiens, il y a Kersozon qui nous attend, là. Ah, eh ben, dis donc. Allez, nous la partie pour les îles. Les îles comment ? Les îles Vierges. Madalena. C'est un petit peu sombre, tout ça, mais... Et voilà, c'est parti, mon kiki. C'est quoi? Une baleine. Ah ben, ah oui, oh, elle est grosse en plus. Voilà. Passé là. Ça c'est le bateau qui s'appelle Uragano. Vous pouvez descendre. Je ne sais pas si on verra quelque chose là, mais. Voilà, reparti. Si vous regardez à la gauche de le pont, dans le milieu de l'île de Caprera, dans le milieu de la végétation, vous pouvez voir une petite maison blanche. Ouais. Ça, c'est la maison. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Avec des cavalos, oui. Il y a cavalos. Vous voulez descendre? De la Maddalena est la plus résistante de tout le Méditerranée. Pour cette... Tu vois, c'est belle la façade là. Tiens, pour une fois qu'on est tous ensemble. Ah, ça marche. Et tout le
bord de mer et la couleur de la mer qui est superbe. Vous avez des rochers, comme vous voyez, ils sont très, très accidentés, ils sont taillés par l'érosion. Ce ne sont pas des tailles faites à la main, Il pourrait y avoir un accident, que les requins, il y a des églises de bateaux. Donc là on est à la pointe de Santa Luca di Terrazza de je sais pas qui. C'est à la pointe de la Sardaigne. Et en face là-bas vous avez Bonifacio avec ses falaises. Ah, c'est bizarre la mer comment elle est, hein, les couleurs. Verte, bleu, clair, bleu, un peu plus foncé, bleu marine. Alors là, vous avez l'avenue principale de Santa Barbara de Felucia. Enfin, non, comme ça, Teresa, je crois. Et voilà. Ça va être bientôt la fin du voyage, on va rentrer à l'hôtel. L'église de la même ville. On va rentrer dedans. Là, il y a un beau petit bâtiment juste en face, tout bleu. Ah mais on n'est pas loin de la mer là, c'est le port qui est juste en bas je crois. Et là on y va tout droit dans l'église, allez voir ce que vous allez voir. Oh, il est drôle de truc là. Je sais pas ce que c'est que ça mais c'est bizarre. Ah juste avant il y a la Seine là, il y a Pierre, Paul, Jacques, Saint-Pierre. Barabbas et puis comment il s'appelle, Judas. Alors là, il y a le Christ sur la croix et puis en dessous là c'est le tombeau je pense. Et puis demain il va se réveiller et puis il va aller vers le ciel. Ah bah, elle est bien cette petite place là aussi, je n'avais pas vu encore. Ah bah, la voiture est là-bas. Alors on se croit en Islande, il y a du bleu, ciel, clair. Du marron, du jaune, du vert. C'est une maison bleue, accrochée à la colline. Ah, je vous ai montré les maisons de toutes les couleurs, mais là, il y a toutes les couleurs sur la même maison. Tu te rends compte, toi ? Là, il y a le capitaine Nemo, Nautilus. Là, il y a le capitaine des Caraïbes. Oui, il me semble, oui. Ouais, Ah, il y a quoi, une petite maison bien colorée là-bas. Regarde-moi ça. Et ça se peint que c'est pas bien, que ça y a du cholestérol, qu'il y a de je sais pas quoi là. Regarde-moi ça. On a rien dit, c'est de la myrte, ouais, tiens. Et non. Allez, la dernière maison bien colorée. Là, on va filmer le balcon avec Roméo là, et Juliette. Elle est propre aussi celle-là, elle est pas mal. Mais il y a toutes les serviettes, ça fait beau. Ah, mais si, ça fait beau, quoi, ça fait. Il y a même le caleçon. Petit coup de pinceau, voilà.